Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment envoyer un message WhatsApp à n'importe quel numéro sans qu'il soit disponible dans votre liste de contacts. Ainsi, donc, vous allez gagner le temps de l'enregistrer dans la liste de contacts, puis aller chercher ce nom et enfin envoyer le message. Et aussi, ça permet d'éviter d'encombrer l'appareil avec des numéros de téléphone. Surtout dans le cas où on souhaite envoyer qu'un seul message ou deux messages à un numéro et après on ne va pas l'utiliser. Par exemple, un numéro trouvé sur Internet. Alors, pour ce faire, on va utiliser une application dite WhatsApp. Elle est disponible pour Android et aussi pour iPhone. Les liens pour l'installer sur votre appareil Android et aussi sur votre appareil iPhone, vous les trouverez dans mon site. Et le lien du site est, comme d'habitude, dans la description en bas de cette vidéo. À la fin de la vidéo, on va faire le tirage au sort pour distribuer les 4 clés concernant le logiciel qui sert à récupérer les messages WhatsApp. Alors, on va ouvrir l'application WhatsApp et voilà comment elle se présente. De ce côté, vous allez toucher et vous allez choisir le pays. Ça veut dire le pays où se trouve ce numéro. Et ici, vous allez ajouter le numéro. Alors, après, vous allez toucher ouvrir de WhatsApp. Et voilà, ici, vous allez pouvoir envoyer le message à ce numéro, même s'il n'est pas dans votre liste de contacts. Alors, si on revient à notre application. On peut ajouter donc des modèles de messages. On touche au modèle. Là, vous allez créer des messages que vous envoyez fréquemment sur WhatsApp. Vous allez, par exemple, ajouter les informations sur votre compte bancaire, votre lieu de domiciliation, quelque chose que vous utilisez fréquemment sur WhatsApp pour qu'il suffit de le toucher pour l'envoyer. Et enfin, on a ici un lien. Donc, on peut créer un lien. Là, vous allez générer un lien. Ce lien, vous allez partager avec les autres. C'est mieux que partager un numéro de téléphone. Alors ici, dans la redondance, donc dans les paramètres, vous avez langue. En touchant langue, vous allez choisir votre langue. Il y a beaucoup de langues qui sont prises en charge. Là, vous avez comment utiliser l'application. Partager WhatsApp avec les amis. Évaluer l'application et politique de confidentialité. Maintenant, on passe au tirage au sort. Voilà donc la vidéo. Récupérer les messages WhatsApp supprimés et non sauvegardés sans route. Qu'on voit copier le lien de la vidéo et on va aller sur ce site, coller. Voilà, on touche Loud Comments et on va toucher Randomly Big Winner. Donc la chaîne qui a gagné la première clé, c'est Kingsley Jones. Donc le voilà, on va vérifier. Voilà, c'est Kingsley Jones. On va voir donc la deuxième chaîne, c'est Alpha Kilo. Voilà, on continue avec la troisième, c'est Charles Dio. Et la quatrième et dernière, c'est Lionel Wano. Voilà, donc ces quatre personnes qui ont gagné les clés doivent me contacter et m'envoyer leur adresse email. Vous allez sur mon site et vous avez ici contact. En allant dans contact, vous allez trouver mon adresse email pour pouvoir me contacter. Donc, le lien de mon site, vous allez le trouver dans la description en bas de cette vidéo. Envoyez-moi rapidement vos adresses email. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.